fait nous voir. Ça va sortir béni. En bref, on va arrêter sur nous. Et tout le monde va voir clair. Nous disons merci. Au nom de Jésus, petit pour sauver nous, qui règne au ciel et au ciel. Amen. On continue le service non, avec la lecture alternative du psaume 8. He said to Arioch, the king's officer, "For what reason is this decree from the king?"
being so harsh. Then Arioch informed Daniel of the matter. So Daniel went to the request of the king that he would give him the grace period so that he might declare interpretation to the king. Then Daniel went to his house and informed his friend, Hananiah, Mishael, and Azariah about the matter so that they might request compassion from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his friends would not be killed with the rest of the men, wise men at Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel said, may the name of God be blessed forever and ever, for wisdom and power belong to him. It is he who changes the times and the periods. He removes kings and appoints kings. He gives wisdom to the wise men and knowledge to the people of understanding. It is he who reveals the profound and hidden things. He knows what is in the darkness, and the light dwells within him. To you, God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and power. Even now, you have made it known to me that we request of you, for you have made it known to us the king's matter. Thereupon, Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to kill the wise men of Babylon. He went and said this to him, do not kill the wise men of Babylon. Take me into the king's presence, and I will declare the interpretation to the king. Then Arioch hurriedly brought Daniel into the king's presence and spoke to him as follows. I have found a man among the exiles from Judah who can make the interpretation known to the king. The king said to Daniel, whose name was Belteshazzar, are you able to make known to me the dream which I have seen in its interpretation? Daniel answered before the king and said, as for the secret about the king has inquired, neither wise men nor sorcerers, soothsayer priests, nor diviners are able to declare it to the king. However, there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made it known to King Nebuchadnezzar that what will take place in later days. That was your dream and the vision in your mind while you were in bed. Nous avons Dieu de glorifier par tout, dans tout âge, avec tout âge, avec 10 ans, 20 ans, le nom de l'essai de Dieu doit être glorifié. Et si nous voulons apprendre qui j'en veux glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Donc nous remercions la soeur Amélie. Dévinois, on va avec le pasteur Dévinois Batinou, c'est petit, non? Yes. A visiter, non? Il est là pour quelques jours seulement. Et il venait nous maintenir avec lecture. Et pour nous, pour la version française, non? Nous allons ouvrir la Bible dans Daniel 2. Et nous allons venir en anglais, en français. Daniel 2, verset 13 à 28. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hananiah, Michaël et Azariah, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Amen. Amen. Que mon Dieu bénisse les tuyaux sacres, l'édification dans le temps. Merci parce que vous te permettez de passer une semaine
côté nous te saillons là, dans toute activité nous, dans votre machine, nous te protégeons, nous pour te garder, nous te couvrir, nous. En lien matin privé, nous matin, nous capables de diriger nous vers chez nous, vous savez, pour nous venir dans le temple, pour nous venir nous remercier, pour nous dire merci pour la merveille faire pour nous le Seigneur. Nous bénissons le Saint-Esprit, nous vous saluons Dieu pour nous. Papa Seigneur, mais l'église devant, qu'on est l'église où mieux que nous-mêmes. Nous ne connaissons pas l'église là, mais où qu'on est. Parce que c'est vous-même qui te par l'église où non, la Seigneur de Philippe, où tu es bâti mon église, la porte de ce Seigneur mort ne pouvait vous tourner contre elle. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas y a un monde qui a levé contre l'église pour destroyer l'église. Parce que l'église ne s'est pas oubliée. Merci Seigneur. Merci pour la qualité de pontier. La qualité de pouvoir que vous avez le Seigneur. Tout pour bien devant face le Seigneur. Papa. Mes petits pions devant ma terre, qui finit avec des souffrances, des problèmes différents. Mais nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, mais nous connaissons tout le bagage. Mais nous avons fait tout le bagage. Nous connaissons les problèmes, ou les solutions. Ou les solutions pour tout problème. Et nous connaissons les entrées là, nous sommes capables de sortir différents que nous connaissons capables. Même tout au problème. Merci Seigneur. Oh Dieu, l'église devant. Prends soin de l'église. Merci pour qu'elle te montre de ce qu'on te connaît. Oh, qui s'est arrivé dans un jour pour te capable de nous building ça là. Côté l'église là, des problèmes, ça arrive. Et puis, vous êtes déjà préparé pour nous capables l'ajouter, pour en y pas au déranger. Allons continuer. On dit ça, les grands, les extraordinaires. Et pour ça, on a demandé aux chrétiens, l'homme qui montre ça dans vous, qu'on nous met tout bas. En y est pas manqué vous, parce qu'on a montré ça, on met tout bas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, mes serviteurs, pasteur et noir, nous levons devant ma terre avec toute famille de Seigneur. Oh Dieu, vous connaissez ça besoin pour continuer de travailler. Vous avez besoin de sagesse de main. Vous avez besoin d'intelligence. Vous avez besoin de force. Vous avez besoin de santé. Nous connaissons un bail. Parce qu'on parle de serviteurs qui vont en bataille. Pas balayer tout ça le besoin. Oui, vous devez Gédéon, vous devez l'autre encore, vous balayer tout ça le besoin pour bataille là. Et là, bataille à Dieu, ou Dieu chita, pour regarder merveille à faire le Seigneur. Allons, bon Dieu, ma mère. Faire chita, pour regarder, Dieu, c'est pas vous-même qui avez bataille, mais c'est vous qui avez bataille pour vous. Chita, comment mes chats vont tomber. Et c'est vous qui avez une victoire. Victoire, c'est une petite bonté. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons une grande bonté pour ça nous servir. Maintenant, l'église nous-mêmes. L'église nous-mêmes. Vous connaissez sur l'église, vous connaissez tout ça, l'église nous-mêmes. Maintenant, nous sommes capables de lever. Oh Dieu, pays d'Haïti la mer. Côté nous-mêmes, nous seulement capables de prier pour le pays. Mais vous, vous avez différent, vous avez fait le Seigneur. Comme l'homme vous a dit au café, mais vous-même, vous avez fait tout le bagage. Et un jour,
nous espérons que le pays d'Haïti a retourné sous même palu quand on était longtemps, quand on était capable de dire oh, le père des Antilles, Haïti chez nous. Mais nous espérons ça et nous connaissons juste à arriver quand même. Merci Seigneur. Nous te remercions d'avance pour ça que vous avez fait. Et nous te remercions. Pour payer côté, pour placer nous, côté pour nous, hospitalité, côté, oh Dieu, notre payade, et connaît vous-même, qui était le premier payade à marcher bien, même depuis longtemps, il y a eu un dollar au pays, après marcher de façon différemment que de longtemps. Mais nous connaissons le Seigneur, ou même, ou qu'à ouvrir le ciel, mettez un volonté de mes yeux, puis vous connaissez le bon Dieu, et puis vous coupez les vents pour en prendre place dans le gouvernement, et que tout le bagage va marcher bien. Mais merci, merci Seigneur. Nous prions pour chaque groupe dans l'église, musicien, chaque monde, nous-mêmes qui avons des serviteurs, le travail avec le Seigneur, pour nous bon sens, pour nous rester en bas, contrôle, et nous sommes capables de faire nous faire, et ça qui bon devant nous, le Seigneur. Papa, s'il vous plaît, nous comptons sur vous, nous comptons sur le Saint-Esprit. Serviteur, qui vous dit, c'est pas l'éternel, dans quelques instants, il n'y a pas de monde là, il n'y a pas de donner ensemble avec personne. Mais vous te connaissez chacun, vous te dormez en ce matin, vous connaissez qui ça a besoin. Et vous allez servir là quelque chose, matin, pour distribuer à chaque monde qui l'a trouvé par le Seigneur. Et leur sortie, il va sortir différemment, il va rentrer, et on va dire oui, nous sommes là, nous sommes et on peut être sous nous. Nous sentons bien. Visitez, ce qu'il a laissé en Dieu. La main de vous toucher et de faire un grand délire. Et là, on sortit, on va sentir au bien. Fais-nous grâce, donnez pour nous dans la signification. Fais-nous grâce. Dirigez tout le bagaille que nous vous faites pour nous, Seigneur. Marchez, voici l'esprit, marchez dans la salle là. Touchez tout chaque monde. Qui est malade, qui est un problème, j'espère que nous connaissons que tout va trouver une solution au problème. Mais si nous prions Père, nous ne prions pas qu'à être nous justement été gloire. Mais nous prions, c'est au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle ici. La paix du Seigneur sera avec vous. Amen.
continuer avec le message qui a commencé à prêcher dimanche dernier. Nous songeons Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Nous devons déclaration ça, c'est un proposé. Spécialement, les navigateurs, monde que nous vivons là, qui côté nous aller. Ça va être que sauter en pile. Regardez ce qui a passé pour la caille nous en Haïti. Il y a autant de nouvelles, côté barrio, aller de mal en pire, jour après jour. Les loups étaient tout du côté du Moyen-Orient. Les loups font un coup d'œil sous l'Europe. Les loups attendaient quelques déclarations, quelques. Aux autres, si vous voulez. Les loups attendaient les plis, ça qu'a dit. Et vous comprenez, moi, nous sommes tellement menacés. D'un moment à l'autre, capable de gagner un bouton pesé. Sans compter, ça va passer, nous allons attendre une crise économique, comment nous sommes. Nous avons demandé à nous qui nous aller. Mais la déclaration que Daniel fait ça, là, il dit, mais, en dépit de toute situation quelque terrible, il n'y aura pas. Gagner un bon Dieu dans le ciel. Ça fait toute la différence. Nous sommes ensemble avec José Nebuchadnezzar qui était en face d'une crise. C'est que j'ai fait un rêve et lui révéler tout magicien lui. Tout Mounsayo qui t'a placé pour interpréter rêve, astrologue, etc. Et pour être capable, non seulement faire connaître qui sale de rêver, mais pas d'explication de rêve là. En deux termes, interpréter rêve là. C'est ainsi que je te parle un peu de Saint-René, l'omniromancie. Qui est la science ou l'art d'interpréter des rêves. Une science que j'ai pratiquée en pile pendant tant l'Antiquité, spécialement dans des pays comme l'Égypte et Babylone. Parce que dans l'époque, ça a été pensé que les rêves ont déterminé l'avenir. Et c'est ainsi que dans chaque palais, roi Saïou, grand Saïou, que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte, tu gagnes toujours une série de monde qui t'a étudié pour ça, dans l'art d'interpréter des rêves. Et parce que tu es roi Saïou, tu as gagné tout prétendu sage ça yo pour être capable d'aider yo pour faire une direction, faire yo, que c'est un rêve yo faire parce que l'interprétation rêve yo, c'est toute importance yo. Et c'est ainsi que nous devons ça par exemple pendant Joseph qui en Égypte. Nous devons ça. Il est vrai que la situation paraît, même j'en ai posé Daniel, ça qui est passé là, ça qui est passé à Babylone. C'est de préférence que Joseph te recevoir une grâce spéciale.
dans Jean bon Dieu te servi avec, dans Jean que il était là d'interpréter derrière. Mais c'est pas que tu es passé dans l'école ça, où Dieu t'a formé. Mais bon Dieu lui-même te mettait une spéciale dans l'histoire. C'est ainsi que on va venir Joseph, depuis un jeune âge, mon Dieu t'a montré qui belle il va faire avec, au moyen des rêves. Et c'est ainsi que ça te permet que, puis devant, nous voyons ton spécial ça, bon Dieu, tu es et Joseph. Nous te voyons que dans la prison, côté Joseph, justement, qui t'est tombé, bon Dieu te permet que, grâce à l'interprétation de M. Sayo, de prisonnier politique Sayo, il est bon lorsque Pharaon vient entraver avec une situation. Maintenant, M. Sayo, tu es capable de faire. Pharaon connaît, c'est vrai, il est en situation, il n'y a pas qu'à une interprétation pour elle. Mais, il y a une connaissance qui a été faite dans la prison. Hein? Et connaissance ça capable de faire que roi connaît exactement qui sac devant et il n'y a pas besoin de casser tête. Et c'est ainsi que Joseph est capable de balayer l'explication. Et nous avons utilisé ça pas seulement pour aider l'Égypte à faire face à sa paline devant pendant les 14 années à venir. Mais mon Dieu t'a tout utilisé ça pour te faire un passeport, pour te faire une route, pour te faire un chemin pour Joseph. Et cette fois-ci, de préférence, ça nous joint, c'est Nebuchadnezzar qui fait un rêve. Et maintenant, tout le monde sait qui les employés qui pour aider dans la situation ça, maintenant, il y a pour eux une belle explication. Non seulement dit ça le rêve, mais pas l'explication rêve. Je peux prétendre, il y a un commentaire qui même dit que Nebuchadnezzar avait bien songé qui ça le rêve. Mais cependant, il était fait une fête. Il était agi d'une façon malicieuse pour être capable de boire. Checker si moun sa yo qui te nan service sa te capable bali yon interprétation qui te droite, yon interprétation qui te franche, yon interprétation qui te sapèman. Parce que yon nan bay qui te kon rive nan situation sa yo, yon souvent moun sa yo qui de fausse religion, il y a des bonnes des interprétations qui passent. Il y a seulement connaît qui ça sujet à y est, et à partir de yo connaît qui ça sujet à y est, il y a une interprétation quelconque. Et puis quand il ça, pas de voulait tomber dans la situation, ça, c'est ça qui fait, il devait exiger ça. Mais ça nous voit, c'est le fait que, il a même pris une position. Il était mauvais, fâché. Maintenant, il est tellement fâché, il est c'est pour le tajouin que il dit qu'il s'est rêvé et pas d'explication, ça rêve à lui. Il n'est pas satisfait de tout le monde qui a répété, après lui-même, une seule chanson, au roi, vie éternellement, dis-nous son rêvé et nous ne pas. Explication solide. Depuis qu'elle a insisté, nous voulons gagner du temps. Mais nous commençons à préparer à dire des choses mensongères. Mais moi, je voulais, c'est pour nous joindre qui s'est rêvé et c'est pour nous joindre explication. Ça veut dire. Et c'est ainsi que ni décidé pour mettre à mort les sages de Babylone, on laisse. Yo vin dire, yo vin côté, yo vin dire qui ça rêve lié à
et qui s'est passé et dans la situation ça a et on va arriver les yon grand les yon monde qui gagne un grand pouvoir li mauvais li gagne autorité et au bout d'un temps que roi li gagne droit de vie et de mort sur tout le monde et c'est ainsi que lors de la paix li gagne temps mettez chercher moun tous les sages tout présent du sage sayo magicien astrologue tout te gagné une chasse qui t'a fait aux sorcières si vous voulez c'est ainsi que te gagné un certain agent que roi lui même te paye responsabilité ça et on commencé grand garçon on commencé mettre la mort. Et au lieu d'un bruit, côté, je t'ai cherché Daniel et ses compagnons qui ont été à mort. Et dans cette situation, ça, on va revenir passé. C'est le fait que, alors que cette situation, ça, t'es voyé, tout le monde qui était dans le groupe sage, magicien, astrologue, etc., il y a un bruit, il y a un caché, il y a tué. Nous, ouais, Daniel lui-même, il fait mouvement. Là, les côtés à Joc, chaque là, que Nebuchadnezzar te mettait dehors pour tuer Ratio, comme une rapidité derrière son opposition dit, là devant, à Joc, pour le dire à Joc, mets-le devant moi. D'abord, nous, le passage a même dit que, il posait à Joc question, pour qui ça? L'homme voit aussi sévère, les après Joc, il y a après que Joc finit par parler avec elle, et maintenant, il dit à Joc, mets-le devant moi. Vous pouvez comprendre, c'est soit Daniel t'a fou, ou sinon, il est sûr de tête. Parce qu'il s'agit d'une personne qui fait un rêve, personne ne parle de rêve là, et lui demande c'est pour dire le rêve là, c'est pour la explication. Mais pour qui ça? Daniel osait demander pour venir devant moi. C'est que Daniel t'a gagné cette confiance, cette assurance dans mon Dieu. Daniel t'a connu avec conviction que bon Dieu là, et c'est ça qu'on servi devant, non, entretien avec moi, qu'elle a dit, il y a un Dieu dans les cieux. Et je dis à tout, moi ma veuve, qu'à vivre, dans une condition qui est capable aussi menaçante que le cavalier, côté que ça va passer dans le monde que nous vivons là, côté nous capables de garder de part et d'autre, nous avons une certitude dans l'avenir, nous, dans l'avenir famille, nous, dans l'avenir petit, nous. Parce que d'ailleurs, au point de vue économique, là où on va ça va passer. Vous demandez, les petits nous, pour arriver dans une situation, pour faire face à acheter un carré par exemple. Comment vous allez faire? Et ça va tenter. En plus, dans le domaine, vous demandez, comment vous allez faire face à une certaine situation? Là où t'as dit oui, côté barrière pour aller. Où t'as ouvert que vous gagnez toute barrière devant. Mais, à l'instar de Daniel, le fait que moi et ma voix, on est que vous gagnez un bon Dieu dans le ciel là, et mon Dieu, ça n'est pas seulement capable de révéler tout secret, il va agir dans toute situation, il va entrer dans tout problème. Dans toute tête chargée, il va changer la vie. Il va ranger la vie. C'est conviction ça. Et Daniel de Bonnet, il est carré dans la prière. C'est encore
une force, son puissance. C'est une bagaille tout à fait spéciale pour leur dire cette conviction que le problème pas qui semble m'a une réponse pour lui, m'a une route, m'a un problème pour le passé, mais si je suis sûr de bagaille sacré de la prière, on a une solution là. Qui veut me dire que c'est le seul bagaille que nous gagnons, nous bagaille négocier pour rien. Et Daniel a eu cette conviction. Et conviction, ça, c'est pas là seulement, il montre lui, puis devant, lorsque tu as une situation, côté, gagner, un mouvement qui fait, après que Daniel a fini une promotion, promotion ça, tu mets en situation, côté, il y a envie contre lui, il y a jalousie contre lui. Et dans la jalousie, ça y est, on peut préparer, petit comment on peut faire avec Daniel ça. Parce que, il y a dit que Daniel, c'était un homme qui servait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, et cette crainte de Dieu, pas quitter le tomber n'importe qui côté, dans aucune marque. Et c'est ici que les chercher, ils ont fait tri pour la guerre, ils ont fait libre d'avoir deux pieds blancs. Ils ont fait pas jouer un yin, ils ont même arrivé à dire, mon cher, les gagnants, ça ne va pas jouer, non? On laisse, nous cherchons bagaille de la loi de son Dieu. Comme si, mettez-nous en position, côté, l'issue du mouvement. Que lui tellement voulait respecter mon Dieu là, lui pas mal désobéir à la loi de son Dieu. Et c'est ici que, messieurs, la grande bagaille, qui bagaille, c'est que, non, certains, pour moi, c'est comme si je t'ai déclaré, on nous déclare que, quoi, c'est mon Dieu lié. C'est ça que je veux dire. Parce que les messieurs à votre roi, forcez-moi à prendre une décision. Prenez une édite. Mettons un décret de vous. Selon le décret, dans l'espace de moi, quel que soit le monde, vous avez non position, à pas de raison de prier. À aucun autre monde sinon que roi, c'est comme si quand dit roi, pour moi c'est le même pitié. Personne ne va pas laver ses pieds avec ce roi. Les lois, ça a fini de publier. Maintenant, monsieur connaît très bien que Daniel Panet qui prend négocier la prière, il a commencé à veiller Daniel. Et la Bible, c'est ça, moi, je n'habite pas, même pas comme si je pas. La Bible dit, moi, que ça te dit, a pas fait Daniel ni chaud ni fret. Cette histoire de Pigayou Moun adresse son prier à l'autre Dieu, sinon à Wa. La Bible dit, non, Daniel n'a fait ni deux ni trois, ça va changer rien pour lui. Comme de coutume, Jean de Confraya, il va dire que je vais prier en cachette, je vais prier dans le cœur, mais Daniel Saldéfia, dans le cœur de la prière, là, son bagage, il était établi, schedule, trois fois le jour, il a mis la genou dans le chambre, côté fenêtre, là, il a ouvert en direction de Jérusalem. Trois fois le jour, la position, comme il le faisait auparavant, avant même que le roi te dit, qu'il a la prière faite, adressée à personne monde, sinon que sa majesté le roi. Et Daniel proposition dit, et monsieur t'a payé Daniel, et non, il y a une raison pour accuser Daniel tant que de prévoir à la cause. Et à rapporter ça, par quoi,
Parce que c'était un édit, c'est un décret, il violait le créa, et maintenant, voilà que Yodwin, yon bagay pour le péri, et selon le créa, c'est que le roi la gueule nan yon force. Côté lion, la dévorer. Mais béni soit l'Éternel, l'idée vraie, l'ivre l'odia, la prie, la frépie devant toujours. Quel que soit côté, moi ma porte a tombé là, notre Dieu est capable de nous délivrer. Quelle que soit sa situation d'ailleurs, les bras nous prennent en moulin, le Seigneur capra les bras nous, mettez dehors dans moulin. Il y a un pile d'autres monde qui t'a fait expérience avant. Les trois jeunes hébreux, ils t'ont fait même expérience là. Lorsque yon bagay t'a dit exactement même gens, pareillement que monsieur à la minute que. C'était Nebuchadnezzar, à la minute que. Instrument de musique sonné, c'est pour tout le monde à posterner devant statue. Et monsieur Zayo, pas gagné au contrat avec personne d'autre, sinon avec mon Dieu seulement pour nous. Et c'est ainsi que l'Éruni, même Jean Daniel, l'Éruni avec quelque soit loi qui compte. Ça y est, ça qui business, pas y est. La fin, moun qui coué dans mon Dieu, où doit y avoir conviction dans ça? Où doit y avoir conviction dans servir mon Dieu? Où doit y avoir conviction dans la prière? Parce que ce n'est pas de droit si mon nier, ce n'est pas compte de faillir, c'est réalité liée. Et tout le monde qui pratique la prière avec conviction, il y a importance, il y a valeur. Et si ce n'est pas réalité, ça, je garantis qu'il y a un pile de nous là qui est là, nous allons vivre encore. Nous avons déjà mouru depuis longtemps. Et qui nous dit, il y a un grand posé, il y a un gros bagage qui passe dans l'histoire du monde. Que vous avez avoir que foi nous va connaître. Mais si vous avez fouillé, vous avez une racine. Dit quel côté, bon Dieu, changer l'histoire du monde. Quelquefois, son moment de prière. Quelquefois, son groupe de prière. Il y a un bagage que nous apprenons. C'est un bagage qui est passé. Dans l'année 1953, nous entendons parler, soit parler nous, de Joseph Staline, qui était leader en Russie. Et faut que nous entendions, faut que nous apprenions qu'on est que M. Staline, il était beaucoup plus méchant que Hitler. Et d'ailleurs, dans cette folie, Hitler avait gagné. Il était pas là, mais à Hitler, parce que Hitler voulait faire conquête le monde, il était allié avec Hitler. Et un jour, Staline, Joseph Staline, décidait pour lui faire massacrer tout juif qui t'a vivre dans le pays en Russie. Chef suprême, grand dictateur, il y a une puissance. Et lorsque les chrétiens de Londres, en Angleterre, apprennent une nouvelle ça, ils ont décidé qu'il a fait un faisceau pour la prière. L'histoire a rapporté que Joseph Staline était en une santé parfaitement robuste. Il n'est pas mal. Il était que 73 ans. Mais lorsque les chrétiens sont entrés dans la prière, ils ont fixé un jour, tout le monde est dans la prière, et ils ont dit,
pas dire nécessairement yon bagay spectaculaire qui t'est passé. Comme si tes bon bagay yon te oué, mais jou la prière ça. Yon prie purement simplement. Après ça, tout le monde va y aller à l'activité. Mais ce qui t'est passé, c'est que 14 jours plus tard, et Staline nous dit qu'il était 73 ans, en parfaite santé, il a gagné une hémorragie cérébrale qui prend. Il a réuni les 16 plus grands médecins chirurgiens dans le domaine ça pour vintéquer Joseph Staline. Et Monsieur Sayo fait toute une nuit pendant cette situation ça pour faire mettre connaissance à terre pour voir dans quelle mesure il a sauvé Staline. Mais c'était fini pour lui. Et c'est ainsi que, malgré Koyo, l'Éternel de les armées qui détendait des prières chrétien Sayo, il a dit à Staline, Capri, c'est fini. Et adieu, Joseph Staline. Et qu'on voit quel bagage que nous avons dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale également. Côté, monde qui dépend dans la prière, ils sont sûrs que la prière est jouée et faite dans la situation. Il y a un pasteur américain qui parlait du fait que c'était le 6 juin 1945 lorsque le général Dwight Eisenhower quitter l'île invasion qui était vouée à tomber en France. Et c'était à lui-même de décider. Gagner un pasteur nous dit qu'il était 5 ans d'âge. Lorsque il parlait du fait que parlant du papa de ton pasteur, ensemble avec maman, il allait dans une conférence qui était gagnée dans une ville au Texas. Pendant la conférence, la session était finie dans une soirée. Ça, on a dormi. On a dormi à 1h du matin, 6 juin 1945. À 1h du matin, vous connaissez une différence de 6 heures entre heure des États-Unis et heure en Europe. Lorsqu'elle était 1h, c'est là ça. Et si vous ne savez pas, vous avez une nouvelle pour faire connaître que les États-Unis vont débarquer, ou du moins, force alliée vont débarquer en Europe, ou du moins en France, côté situation antérieure. Hein? Mais, ça qui passe, c'est que yo prend nouvelle. Lorsque vous venez envoyer mon saïa dans la cabane, vous avez dormi. Elle était 1h du matin, heure des États-Unis. Vous avez une nouvelle que Kounyea, département a fait en Europe, côté invasion André, et stratégie a dit pendant une certaine heure, une époque de 24 heures. Force alliée, t'es de frapper à tous les points de vue. Que c'est le département par mer, que c'est ça qui a sauté dans le parachute dans l'air, etc., etc. Tout t'es de frapper. Et c'est ainsi que l'heure vers 7h, c'est l'heure ça, il y a 1h ici, 7h. D'Europe, moun sa yo a débarqué, yo fait, y a le fameux pot. Tout le monde a dit, tout le monde,
que tout le monde a rencontré Kounia dans Jim, parce que tout petit garçon nous a débarqué en France Kounia dans Normandie. Et si vous avez un privilège, vous avez un film ça qui est réglé le jour le plus long, The Longest Day, vous avez côté toute situation ça a été dramatisée. Et c'est trouvé que en Normandie, c'est une côté que Hitler a fait arrangement, connaissant à n'importe quel moment de la durée des forces d'invasion capables de venir pour venir attaquer l'Allemagne, il te mettait une sorte de résistance côté son bail qui est impossible. Parce que personnellement, et bien moi, je l'aime visiter la France, l'aime parler en Normandie pour des situations, il y a une situation impossible. Et c'était détachement militaire ça qui dégagnait plus de problèmes pour entrer sur ce territoire-là, côté Allemagne était complètement gagné full contrôle sur la France. Et notre stratégie, je vais expliquer que si dans tout ça qu'on fait pour nous faire ça, si force alliée ça, pas de chance pour prendre Normandie, parce que c'était à quelques 19 000 de centre invasion. Et ça veut dire que il y a des difficultés. Pendant ce temps, comment ça passait? Mounsa a été dans la prière, il a dit que il a commencé à prier à 1h jusqu'à 8h du matin. Les 8h du matin arrivaient, il a senti quelque chose dans eux-mêmes qui dit que c'est pour continuer à prier. Au lieu de suspendre prier à 8h du matin, il a continué à prier jusqu'à midi. Et c'est la première fois que nous avons besoin de connaître qui ça nous gagne. Frère, nous sommes, même si nous avons l'argent, nous avons l'argent possible. Même si Kemrasan a gagné, je ne sais pas. Mais je gagne cette conviction, même Jean Daniel dit, gagne un bon Dieu dans le ciel. Amen. Et maintenant, je connais un bon Dieu dans le ciel, quand je suis dans la situation, je vais draper, je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler, mais la prière, la journée, tout le monde. C'est ça mon bon. Ça fait l'histoire à côté. En pile mon web, il y a un témoignage qui était vivant. Dans l'antiquité, on était fait. Il y a des prières dans quelques situations. Mon Dieu a changé les bagailles. Et mon qui croit dans mon Dieu, c'est pour sa parole l'a dit, il y a propre la montagne. Parce que bon Dieu a les laveurs en tête. Bon Dieu a fait, oui, ma peau fait tout ça qui dépend de nous-mêmes, pour nous laquer nous, en bas de celle-ci, et malgré nous-mêmes, si nous détachons de bon Dieu. Matin, encore, nous avons eu n'importe quel côté. Pour moi, des exemples qui font que nous sommes capables de reposer sur mon Dieu. Lorsque le peuple Israël est dans une situation, il y a un gravé de menu. Finalement, M. Pharaon, qui n'a pas de chambre d'accord pour le peuple à quitter l'Égypte, il a servi mon Dieu. Lorsque l'Éternel frappait l'Égypte de 10 plaies, après cette dernière plaie, côté les 10 plaies, 10e plaie, côté dans chaque caille, il y a un premier né à qui mourir. Finalement, il va renforcer, il quitte le peuple là.
Mais les filles qui te peuvent aller, ils entrent dans les mêmes endroits pour dire, comment je vais faire travail ça? Je ne vais pas quitter Israël à aller. Quand je ne vais pas bien servir encore, parce que vous avez esclavage, c'est service gratuit, chérie. Et c'est ainsi que libre tout à Méli, libre à Pédé. Et nous voyons que le peuple est dans une situation, les gens raté, la main de Pharaon de eux, ils voient un drapé, ils mêlé. Et fait chaque soldat haïtien, nu à la main, soleil frappé, ils ont prié, ils ont gardé derrière sa cabine pour eux, peuple en drapé, peuple en mêlé. Je commence à reprocher Moïse, dis-nous qui sort là, nous là, nous t'es bien, nous, faites qui sort pour venir de nous, mais vous n'avez pas même bien côté pour nous, nous n'avons même bien une tombe pour vous et nous, pas bien cimetière pour nous. L'Éternel, ce même Dieu de Daniel, ce même Dieu de Paul José, ce même Dieu qui a été dans nous-mêmes là, aucune chaîne témoignage qui montre nous qui est n'a servi. Même mon Dieu ça, il agit, il dit, qui ça peut blaguer là? Il dit Moïse, levez le bâton en l'air. Et Moïse, qui connaît à qui est la verre, il dit, peuple là, qui est effrayé dans tout bois, dans tout bureau, il dit, regardez, où est l'Égypte, ça va nous aider, nous qui va nous faire là, nous marchons. Ce n'est pas qui doit nous faire froid. Et quel bagage en face, vous ne pouvez pas voir comment nous sortir là-dedans. Vous ne pouvez pas voir que ça ne va pas changer. Situation économique, vous ne pouvez pas changer. Ça est devant nous, on ne peut pas faire face à lui. Lis-toi pour vous, parce que aucun monde doit le soulever. Mais il y a un Dieu qui est tout bagaille en bas contrôle. Les hommes font quelque bagaille en bas contrôle. Mais bon Dieu, il y a un contrôle libre. Il y a un jugement, il y a une provision. Et c'est pour ça, Daniel, qui connaît à qui est-ce la fête, il connaît le cas côté dans la prière. Et c'est ça fait, il est accepté pour la demander à Job et river devant moi, dire moi et bon petit temps. Bon petit temps. Pour ça demander petit temps ça, libre ce petit temps ça, pour la faire bagarre, ça brûler la vie. Parce que on dit, dans la prière, tout bagaille est réglé. Tout bagaille est fait. Et effectivement, je dis nous, parole là, dit nous, lorsque il finit par la croix comme ça, il dérape, il passe, il prend son ami camarade, les trois jeunes autres hébreux, Mounsayo, qui t'éveille une différence. Parce que on a éliminé tout. Faut vous connaître qui relation y a avec Dieu à tout. Vous ne pouvez pas imposer tout chaud du bouquet, non? Faut que vous ayez déjà un rapport avec lui. Faut que vous ayez déjà un dans un ami, oui. Et là, vous avez fait des marches, vous avez donné un ami. Et comment est-ce qui vient arriver? Tant, et c'est rentré plus fort dans mon Dieu. C'est un amitage qui vient pisser. Et il n'y a pas de Daniel. Parce que je dis, non, moi, un ami, c'est mon gros ami. Et nous, même, nous devons pratiquer avec ça. Parce que vous songez, lorsque il déparait sur la forme de trois anges, au côté Abraham, côté Élie. Qui entretient avec Abraham, parler Abraham de madame ni qui prala et qui ont petit d'ici un an de ça, à pareil l'année qui vient, les films parlent contre eux. C'est comme si t'as dit, on dirait, moi les deux dit, oh, on est, ça passe. Et c'est pas ça, mais le combat est bien fait. Pas capable pas profiter pendant la route, tout dit Abraham. Parce que les amis, par contre,
serait secret pour Zambi. Parce que Abraham a dit que c'est un monde qui est pour lui. Et c'est comme ça, et l'Éternel dit, et après Abraham, mais ça le bras fait à Sodome et Gomorrhe. Parce que Abraham était neveu à Sodome et Gomorrhe. Donc l'Éternel sentit que le sujet ça, t'a quoi intéressé à Abraham. Mais ça va faire vivre bien, oui. Et des fois, il y a mon enfant mieux qui va même sous mon Dieu, qui va contre mon Dieu, qui même comment nous sommes monde qui est fou. Nous avons servi mon Dieu, non? Parce que nous sommes des monde qui exagéré. Nous tout le temps nous faisons la prière. Dans tout le bagaille, oui, nous croyons, mon Dieu a changé ça, mon Dieu a arrangé ça, etc. Mais cependant, nous ne savons pas connaître le fait que il entre dans la famille, le fait que il sépare de nos grandes mamans. Et au même dans la prière, la bénéficie. Amen. Et c'est ainsi que l'Éternel fait Abraham. Et c'est ça qui est. Daniel connaît. Ses amis, mon Dieu, il a vu la veille dans la prière. Dans la prière, le Seigneur a révélé sa personne, nous ne connaissons pas. Ça est possible aux hommes, que possible à Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui connaît les secrets. Il y a un Dieu dans les cieux qui fait sale plutôt, lève-les, protège-les, chante. Et il connaît, il a le bon Dieu, ça, effectivement, l'aile passée, le prince de milieu, l'aller dans la prière, et ça, le dit, son réalité. Pendant la nuit, l'abdomi, dans son jeudi, l'éternel dit carrément, t'as vous de pas de mon cadre, mais ça, n'est plus qu'à ne pas te rêver. Mais ça, rêve la blédie. Et il bat l'explication. L'aile fine bat l'explication, hein? Il vient dire tout le bagaille. Premier mouvement, Daniel, il a entré, il a dit d'attendre la réponse à, qui était pour y aller, pour le faire voir qu'on est que le joint dit non. Il est entré, mais il a joué encore pour y aller maintenant, pour le prier mon Dieu, pour le prier mon Dieu gloire, parce que la parole de Dieu dit nous, un peu mort au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me. Libère mon Dieu quoi? Libère mon Dieu louange. Et il est intéressant de nous garder dans la passage là pour nous voir comment qui action de grâce. Bon Dieu bail Daniel, parce que bon Dieu te révélé le secret à qui Jean y a adressé à l'Éternel, parce que l'Éternel bénit, l'Éternel fait le connaître. Tout détail, et maintenant l'Éternel délivre lui et Kounia. Maintenant, il va retourner pour la joie, il dit parle. Mais n'est-ce pas? Et l'un paraît quoi qui pose la question. Es-tu capable de faire mon connaît qui s'enlève et qui est derrière la soeur là? Daniel me répond, c'est pas sagesse, non, moi non. C'est pas moi-même, non. C'est pas connaissance, moi non. C'est pas capacité, non. C'est pas parce que je vais prier, non. C'est parce que gagner un Dieu dans le ciel qui contrôle tout le bagage, qui compte tout le bagage, qui va faire tout le bagage, c'est mon Dieu qui a révélé ça. Donc c'est pas le même Dieu. Et il parlait pour dire quoi? Mais c'est mon Dieu qui voulait révéler ce qui va passer en tant qu'à venir. Et le film bail. Explication. Mais ça a été révélé. Mais ça rêve la dit. Et maintenant, gardez Daniel. Il est tombé devant. Parce que lui est son Dieu qui est en face de lui. Lui est un homme qui a campé pour dire nous causer comme ça. Et c'est ainsi que il a même pris, fait mouvement, il a ordonné pour offrir des sacrifices, pour offrir parfum devant lui.
et roi prend la parole pour dire Daniel a pas caché par l'eau. Bon Dieu, là c'est bon Dieu tout bon. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui-même qui est contrôle, c'est lui-même qui est puissance. Effectivement, ça fait. Et Daniel arrivé, non seulement délivré tête lui, non seulement délivré ses compagnons, mais tout sage, magicien, astrologue, devin, tout le monde sage. Il a délivré. Et Daniel découvre ça. Daniel découvre mon Dieu. Et Daniel t'est manifesté que c'était un homme de prière. Moi et ma mère, nous mettons tout ça va passer. Et on peut te arriver. L'argent va pas faire rien. On peut te arriver. Vous nommez pas faire rien. On peut te arriver. Quelle que soit la fréquentation, quelle que soit le monde qui t'es amis. Ils ont même tout, ils ont limité, ils ne vont pas voir rien. C'est ça le mot de l'éclat tout. Que vous comprenez ça matin. Que vous guérissez mon Dieu ça dans la vie matin. Que vous gardez comme bagaille qui est plus précieux que vous capable de gagner. Parce que l'argent va plus vérité. Mais bon Dieu ça. Bon Dieu ça. Seule richesse. Seule capacité. Réclamant une telle a dit donc vivant, il s'agit parlant de crédit camion. Marie m'a dit pas vivre sans vous, pas faire aucune personne, pas monter, pas descendre sans lui, mais que ni là, dans la vie, comme réalité. Parce que si vous n'avez pas besoin de Jodia, vous ne pouvez pas vous libérer. Et laisse la toi d'avoir cherché, vous êtes déjà joué, vous avez déjà une relation avec vous. Ce n'est pas dans le moment ça, non, que Daniel a cherché mon Dieu. Au contraire, dans le moment ça, il comprend, il connaît, il sait déjà que mon Dieu, et le monde de ça, quand même, tout le monde, maintenant ça, mais on va ça, il dit, donc on pourra l'utiliser, cette force, cette puissance qui est en Dieu. Que mon Dieu aide au mariage. Que mon Dieu aide au mariage. Que mon Dieu ait conviction, ça, et que Daniel aide. Que si, peut-être, vous devez le bon Dieu, vous devez l'évangile là, comme je vais le timon. Que maintenant, vous réalisez que l'évangile, ce n'est pas un conte de fées pour faire dodo les enfants dans vous, les petits monde, pas la dormir, vous comprenez, si derrière vous, tap, 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 faites-le. Jérémie dit, vous Dieu l'avez servi à son Dieu en vérité. Il est un Dieu puissant et un roi. Moi, j'ai une conviction, ça. Pour que délivrer, délivrer le pays d'Haïti. Pour nous avoir la volonté de le pays. Il faut que nous avons la volonté. Bon, comme si pour tout le monde, ça y a bien pire. On est là, bien, bien pire, on est là, pour Haïti, il arrive dans une situation pour le vivre. C'est pas vrai? Il me dit, ma pouille encore pour faire ça. Ma pouille encore. Même si vous êtes ouais, non, bonsoir, non. Ma continue à voir que mon Dieu va vous parler. Ni va rien de belle, parce que je n'ai pas de contrôle sur le port, mon Dieu fixé. Mais je connais que mon Dieu va vous parler. Il doit vous il doit poser, il monde qui nous a dans la vie. Et si la prière, si pays d'Haïti, si pas que dans avec cette conviction de Daniel, n'a pas de son à Dieu. Non, Seigneur, Seigneur,
Seigneur Dieu d'amour, nous voulons pas voir louange de l'air comme ça. Nous disons merci pour nous ça, que l'esprit est parti. Parce que nous disons, nous n'avons pas monde qui a vu dans nous-mêmes. Si cet esprit a déjà tiré avec les mains. C'est pour ça, maintenant, nous avons gloire, nous avons louange. Et nous disons merci de ce que nous avons fait la soupe. Il était accepté d'être obéissant pour lui faire la paix avec vous. Nous disons merci pour l'arrangement que vous avez fait dans la voie expiatoire de notre Seigneur Jésus. Et pendant que vous à vous-même avec tout fardeau lié, tout ça qui est trop pour lui, tout ça que vous n'avez pas capable de il vient déposer au pied de la croix. Nous demandons une grâce infinie. Dans la misère, il va être sondable. Dans l'amour, dans la compassion, on va prendre fort de ça et on va délivrer. On va mettre le dehors. On va prendre tout pour lui. Nous prenons lui-même, il n'est pas capable de gagner force pour être fidèle à lui-même. Mais nous prenons dans la provision. On va faire tout arrangement. Nous allons gloire.
on va vous louange, on va vous remercier à l'avance pour ça. Et vous déjà accepter pardonner de tout péché, de toute iniquité, de toute faute, et faire arrangement pour lui de cette nouvelle vie pour qu'elle va marcher avec vous. Seigneur éternel, moi je connais matin, c'est une ville pécheresse. Devant, je dis merci de ce que vous te comprenez ça, vous te cœur, vous te concerné, vous te fait arrangement pour moi, vous te voyez Jésus-Christ mourir pour moi, vous te capable racheter moi de la malédiction de la mort, pour être capable de laver et purifier, pour être capable de faire m'inscrire dans le cahier de vie, pour ne pas remettre moi dans même. Je demande pardon pour tout ça qui te fait mal. Et je demande pour qu'aimer, pour aider, pour marcher avec vous, pour me témoin fidèle pour vous-même. Dans le beau comme dans le mauvais jour. Moi, je vous remercie pour ça. Au nom de Jésus, sauvez-moi. Amen. Si toute l'assemblée a le nom, vous allez vous rappeler de la partie de l'Odia, c'est pas une vie de manger à l'Odia. Mon nom c'est Sœur Thura François.